À l'écart du centre-ville, Pise est le théâtre d'un bien étrange ballet. C'est un incontournable. La célèbre Tour Penchée se prête aux photographies les plus fantaisistes. Son inclinaison est pourtant devenue au fil du temps une véritable menace. En 1989, une partie du campanile de l'église de Pavie s'est écroulée, causant la mort de 4 personnes. Nous avons tous pensé qu'il se produirait la même chose ici, et nous avons décidé de fermer la tour au public en 1990, car elle était considérée comme dangereuse. Une course contre la montre s'engage alors. Les projets de sauvetage les plus fous arrivent du monde entier. Des statues colossales aux engins titanesques. L'imagination est sans limite. La solution retenue par les ingénieurs est beaucoup plus pragmatique. Du côté nord de la tour, 41 foreuses ont été installées. Le but était d'excaver la partie inférieure de la fondation de manière à faire descendre ce côté et de contrebalancer l'inclinaison. Aujourd'hui, la tour réduit très légèrement son inclinaison. Elle se redresse d'environ 1 mm par an. Les problèmes ne se représenteront pas avant 3 siècles.